Branco aujourd'hui passe pour un cador alors que c'est un gamin de 28 ans. Un premier de la classe qui prétend, même à moi, m'expliquer le monde, tu vois, qui est 61 ans et qui suit passé par un certain nombre de... Bon, mais de... il parle bien, il a intégré ce qu'étaient les gilets jaunes, ce qu'était un rebelle, donc... Donc quelque part, il a un niveau au-dessus de Macron, donc... Il était flic, il faisait du bon travail. Et il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Il n'a pas un niveau au-dessus de Macron, il a été affecté à une autre tâche. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Quand Branco dit qu'il a trahi sa classe, il a trahi sa classe, mais c'est pour sauver la caste. Peut-être qu'il fait semblant pour, en fait, être le général de Gaulle plus tard. Pour moi, c'est un gamin... Un peu comme Poutine qui a fait semblant de... Enfin, Poutine, il savait piloter un avion de chasse, c'était un cadre du FSB. Le pédigré du gars, tenez-vous bien. Branco, il est de la même filière que Macron, faut pas oublier, c'est Sciences Po. Alors je vous dis, je suis un écrivain français, et c'est pas vous qui me traversez les yeux, et je devrais signer ici car j'ai été invité, et qu'on me passe à tabac, et que ça se voit, que ça se sache. À 20 ans, il était officier de liaison du procureur de la Cour pénale internationale. Le processus de la Cour pénale internationale correspond quelque part à un agenda beaucoup plus globaliste et mondialiste, ayant trait à ces justices transnationales, à ces institutions transnationales, qui ont pour objectif d'arrimer une politique globale, faisant en sorte que chaque responsable, chaque nation perd petit à petit un certain nombre de quantités de souveraineté. Cabinet d'avocat. Il a été avocat de Mélenchon. Objection, Your Honor. May we approach? En 2017, il a été candidat de Mélenchon aux législatives. La République, c'est moi! C'est pas une bien, la maçonnerie est pour certains pour vous une philosophie. C'est une religion. C'est une sorte de religion familiale. Oui. Je peux dire, puisqu'il n'est plus là, que mon père l'était, et puisqu'il n'est plus là, mon grand-père l'était également. Il a été le chouchou de Descoings. Il faut savoir qui est Richard Descoings. Comme vous savez, quand j'ai été élu à Sciences Po, j'étais pas avec mon épouse. Plein de raisons que je ne sois pas avec mon épouse. C'est vrai qu'à Sciences Po, c'est assez fréquent. Il y a plein de couples qui ont travaillé ensemble, pas seulement la politique, ça veut dire. L'idée qu'on a reçue, tout est complot, tout est conjuration, tout est copinage. Il a été missionné par l'ONU. L'ONU ! L'ONU ! On parle plus de la bande à Vasile, là ! C'est tout en haut de la pyramide. Il a été chouchouté par Attali. Un pays, c'est un hôtel. J'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il n'y avait qu'une jambe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des pantalons? Personne ne mettre des pantalons qui a une jambe. J'ai rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'était pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. À 22 ans, il a travaillé au ministère des Affaires étrangères. Le fils de producteur et de psychanalyste. Il arrête la sexualité, Freud, pour pouvoir concentrer sa libido sur l'invention de la psychanalyse. Puis on découvre qu'il couchait avec sa belle-sœur, qu'il partait en vacances avec elle. Un détraqué, obsessionnel, haïssant son père jusqu'à vouloir le tuer en permanence, obsédé par l'argent. Cocaïnomane, voilà. Obsédé par la réputation. C'est du foutage de gueule. Il a été à l'école alsacienne. En 1870, après une guerre éclair perdue, la France restitue l'Alsace à l'Allemagne. Les Alsaciens avec, pas tous. Certains, plutôt de ceux qui ne sont pas étroitement liés au travail de la terre, des entrepreneurs, des intellectuels, des industriels, s'installent à Paris. Quelques bons pères de famille, des protestantes, décident de continuer à donner à leurs enfants une bonne éducation et créent une école. On n'y parle pas spécialement alsacien, mais on use de méthodes humanistes, avant-gardistes, attachées à l'épanouissement de l'enfant. Il est journaliste aux Inrecuptibles. Il écrit pour Libération. Tu iras voir sur son site internet de son cabinet d'avocat, il met un tableau de Goya avec le Baphomet. Ouais. Il se fait livrer des enfants morts, c'est-à-dire une apologie de la pédophilie. Ouais. Il faudrait qu'il nous explique pourquoi il a mis ça comme emblème de son site internet de cabinet d'avocat. Il ne peut pas, en ayant ce parcours-là, avoir compris si peu de choses. Or, finalement, le problème, c'est pas ce qu'il dit, c'est comme toujours, c'est comme Zemmour, normalement, c'est ce qu'il dit pas. Il y a toujours un mec qui arrive à l'ONU. Non ! Cette fois-ci, il y en a marre ! Ça va, j'ai pas été trop dur quand même quand j'ai dit marre ? Et pourquoi d'un seul coup, il monte au créneau pour dire il n'y a pas de pouvoir maçonnique en France. Il est incapable d'expliquer le dîner du CRIF.
doit dire ça s'il veut aller plus loin. Sinon, il est plus invité, sinon... On s'en fout. Alors, ça veut dire qu'en ce moment, il est en train de remplacer Besancenot. Donc, enfin, il est en train de renouveler l'opposition contrôlée. L'intérêt, c'est de faire tomber des digues, c'est-à-dire d'avancer un peu plus vers la vérité. Et les Gilets jaunes, c'est fait pour faire tomber des digues. Branco, lui, est fait pour protéger la dernière digue, la vraie digue du pouvoir, c'est évident. Il se comporte comme ça parce qu'il peut-être qu'il sait que ça serait trop dangereux d'aller jusqu'où je vais moi, puisque moi, comme tu le dis, là, je suis en cavale. C'est-à-dire qu'on me promet la prison ferme. Lui, on lui promet rien du tout, que de, en fait, il est peut-être gondole à la FNAC. Hein. On lui promet un brillant avenir et il ne veut pas le démolir. La question, elle n'est pas sur son avenir ou pas son avenir. La question est sur la vérité, sur le sérieux, sur la précision. Se trouver des bonnes places, faire du canard enchaîné, c'est-à-dire balancer des scandales de deuxième zone pour protéger les vrais scandales profonds. Je veux dire, tout est déjà en place. J'aime pas, je partage. De nombreux hommes et femmes qui ont perdu leur emploi à la suite des réformes de l'État.